président Sassou, a tiki casquette na ya ki président, al komi Gaulois, a komi fan, a landi feri na stade pour na koyoka musique. Mais il a fallu, attends, pour ça qu'on se déplace, que puisque la musique est grave, paye pas, il a fallu exalter. Il faut bien que ça ne fasse, il a fallu, il y a ça qu'on lia, il a fallu ça qu'on bête. Mais ma cambou a fait, président à Longoli qui président naïe, à Longoli qui casquette à qui président, à Lati qui gaulois, à qui koyoka musique, à Saint-Lupé Bonis, va payer ça et vite à Imana. Bon, tu sais, ma cambou, voyez qui ma révélation. Bonjour, la famille, c'est toujours Gilmas. Les révélations entre Ferregola et Fally à Brazza, Congo Brazza, tous les deux là étaient à Brazza. Ferregola a joué au FESPAM, Fally il a été invité à la présidence. Tous les deux devant le président de Congo Brazza, Monsieur Son Excellence Denis Sassou Nguesso. Les révélations qui sont derrière ces deux là, je vais vous les donner dans la vidéo ici. Alors mes chers amis, partagez la vidéo. Commentez si vous avez des commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et tapotez, mettez les likes si l'analyse ici vous tape tout droit au cœur. Tous ces deux-là sont des grands artistes congolais de Kinshasa. Tous ces artistes-là font de la bonne musique, de la musique de la qualité vraiment exceptionnelle. La grande qualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Il y a les gens qui insulte Ferregola, soi-disant, il a fait les piaques, les gens disent. Il y a d'autres aussi qui parlent de Fally qui a presté à la présidence. Alors, des réalités, oh, yo, bino, bozo, ye, bate, naza, koupé, c'est la bino. La personne qui est au centre de polémiques, c'est le président congolais, M. Denis Sassou Nguesso. Maintenant, la vraie réalité, la vraie révélation entre ces deux-là est celle-ci. Écoutez-moi bien. Nous avons un fanatique qui aime vraiment la musique, la rumba. S'appelle le président Denis Sassou Nguesso. Maintenant, vous regardez la puissance de ces deux musiciens-là. La puissance de la musique de ces deux artistes, Ferregola et Fally. Écoutez la puissance de ces deux artistes-là face à face, soit vis-à-vis du président Denis Sassou Nguesso. Ferregola au stade Massamba Déba au FESPAM, là où il y a les chèques, il y a toutes sortes de personnes. Mais le président s'est déplacé de la résidence au stade pour écouter les musiques, soit les chansons de Ferregola. En plus, il a fait une demande exceptionnelle de la musique de Ferregola, soi-disant la chanson intitulée Vita Imana. Après cela, le président est retourné à la résidence. Maintenant, la prochaine rendez-vous, c'était Fally Ipupa là-bas. Regardez maintenant ce qui est là. Regardez maintenant ce qui est là, soit écoutez la vérité. Le monsieur, le président, en tant que fan, il s'est déplacé pour aller écouter de la musique. Il s'est déplacé. Il était chez lui à la présidence. Il a des protocoles. Il a eu le temps de se préparer pour aller écouter la musique de Ferregola. Il est devenu gaulois d'abord. Pour quitter chez lui, dans sa résidence, il s'est amené au stade comme un gaulois. Il est parti écouter de la musique. Prévenez-vous. Dans la musique, quand Ferregola a fini de chanter, le président était obligé de retourner puisqu'il est parti écouter Ferregola. Il est parti, il s'est déplacé, aller écouter Ferregola. C'est ça la grandeur de la musique de Ferregola. C'est ça la grandeur de Ferregola. De l'autre côté maintenant, ce sont des révélations que vous ne comprenez pas. Mes chers amis, abonnez-vous, partagez la vidéo. Mettez les j'aime si vous aimez les révélations ici. Maintenant, le deuxième point, celle-ci. Monsieur le président, attaqué fan. Maintenant, il est retourné. Il s'est assis chez lui, en train de manger avec les invités. Il a invité un monsieur de chanter pour lui.
Ça, ce n'est pas le fanatisme. Ça, ce n'est même pas les présidents. C'est de la musique. Il pourrait inviter n'importe qui pour écouter de la musique. Mais la différence, c'est que faire la fête déplacer de la résidence au stade, ça, c'est la force de la musique. Mais il n'a pas besoin de se déplacer pour Fally. Il a appelé Fally, toi, petit, viens ici. Vous regardez la différence. Le président a pris le risque d'aller vivre, faire Ebola à live. Au stade, il a pris les risques, puisque la façon dont il peut recevoir faire Ebola chez lui, à la résidence, mais ça ne sera pas avec la même ampleur. Lui-même, il veut goûter la musique avec la population normale dans le stade. Lui-même, il veut vibrer de joie, il veut vibrer des instruments, de l'écho du stade. Il veut voir comment faire Ebola presse devant toute une multitude de personnes. C'est ça la différence entre un musicien fait Ebola et un musicien Fally. Pour Fally et Poupa, le président n'a pas besoin de se déplacer. Puisque ce n'est pas quelque chose de grandiose. Il n'a pas besoin de se déplacer. Mais pour faire Ebola, le président a pris tout son temps pour aller voir faire Ebola. C'est ça, Banini, ma révélation. Depuis que les gens là ont fait depuis que l'événement là est passé, qui a parlé de telles révélations? Qui nous a donné de telles révélations si ce n'est pas moi? Alors vous les Gaulois, et Nalobara toujours, m'a dit Wembo, je vous salue à passer ma sœur avec Jimmy Wembo. Même s'il me cite de temps en temps, je l'aime toujours. Faire Ebola, c'est un patrimoine. C'est un monsieur qui a besoin de soutien de tous les Congolais. Quel que soit partenariat, il faut qu'on ait la fierté à faire Ebola. Il fait de la musique vraiment de la rumba pure. Quand même Fally lui-même dit, moi je ne suis pas rumbiste. Il s'est dit directement, puisqu'il reconnaît à lui la faiblesse de la rumba. Il reconnaît qu'il y a la faiblesse de la rumba. Mais faire Ebola, lui ne sait jamais qu'il n'y a pas rumbiste. Lui, il prend à charge. Il est le prêtre, il est le padre de la rumba congolaise. C'est lui qui amène la rumba au bon port. C'est faire Ebola. Il l'a dit combien de fois. On a écouté des chansons qui prouvent vraiment que oui, c'est lui le padre de la musique de la rumba congolaise. Pourquoi vous battez? Tout c'est de la faute de la bonne musique. La musique est de qualité. Mais il y a qualité et qualité. Il y a bon et bon. Il y a doux et doux. Dans chaque chose, il y a qualité et qualité. Il y a la modération dans tout. Il y a la différence dans toute chose. Il y en a. Mais pour faire Ebola, c'est de la rumba pire. Mais pour Fally Poupa, c'est la rumba, on peut dire, révisée. Maintenant, les gens qui aiment la rumba pire, ils sont toujours penchés vers faire Ebola. Et les gens qui aiment la rumba révisée, ils vont se pencher également vers Fally Poupa. Ces deux chants-là sont des artistes qui font la fierté de la musique congolaise, mais avec deux routes, deux chemins différents. Comme un enfant au bout, les deux chemins, il y a un texte pareil en Afrique, les deux chemins, un enfant au bout des deux chemins. Il y a le chemin de Fally Poupa, où il y a la rumba qui est révisée. Et puis, côté faire Ebola, il y a la rumba révisée et la rumba originale. Lui, il a deux. Il a deux sortes de rumba chez lui. Fally n'a que ses rumba. Vous aviez compris. Alors, comme je vous ai dit encore, vous les Gaulois, vous devez protéger faire Ebola. Faire Ebola n'a pas besoin d'avoir beaucoup de milliers d'abonnés. Faire Ebola n'a pas besoin d'avoir des titres honorifiques inutiles. Mais la fierté qu'on donne à faire Ebola, la fierté aussi d'avoir faire Ebola, il tient la clé de la rumba pire, la vraie rumba, la rumba que tout le monde a besoin. La rumba là transcendante de génération en génération. Les gens d'aujourd'hui ont écouté les chansons de Taboulé. Aujourd'hui aussi, la génération d'aujourd'hui continue à écouter les chansons là. On ne peut pas changer l'histoire, la réalité que la réalité. La chanson comme Tété de Taboulé, tout le monde la chante. Même la génération d'aujourd'hui, quand il faut des concerts, il y a des fois, il nous exhibe de telles chansons. Donc ce sont des chansons qui ne mourront pas. Ce sont des chansons qui seront toujours là. Et faire la continuité des œuvres là. Faire peut nous ressusciter les gens qui étaient morts il y a longtemps.
Par exemple, dans les concerts des martyrs, il nous a ressuscité beaucoup d'artistes. Les gens se sont encore, penchés sur les mémoires de ces gens-là. Faire nous a fait revivre le passé dans le présent. Ce que Fally ne peut pas faire, il peut le faire, mais au moment où je vous parle, il n'a jamais fait de telles choses, de tels exploits. Ça, c'est la différence entre Ferre Gola et Fally. Ferre est capable d'improviser des anciennes chansons, des anciens succès, et puis les mettre en jour dans Banzembo Yakililo. Fally ne l'a jamais fait, mais je n'ai pas dit qu'il est incapable de le faire. Jusqu'au moment où j'ai fait la vidéo ici, il n'a jamais fait de telles choses. Toutes ces choses-là, on les voit chez Ferre Gola. Ferre, il peut improviser, il a des créativités. Vous aviez vu la chanson comme Regarde-moi, c'était une créativité vraiment du jamais vu dans la musique congolaise. Nous avions vu roue acoustique, homme acoustique, une créativité qu'on n'a jamais fait également dans la musique congolaise. On a vu des choses comme le show must go on. Ferre Gola, il est en train de se mystifier dans beaucoup de choses, avec beaucoup de façons de chanter. Il nous donne beaucoup de sortes de voix, avec une même bouche, mais avec beaucoup de voix. Ferre, il a beaucoup à lui. Si nous lui donnons la chance, si on peut s'y avoir chance, Ferre risque de faire de grandes choses. Les mensonges qui a régné sur les réseaux sociaux, c'est ce qui a en tout cas étouffé les exploits de Ferre Gola. Et aujourd'hui, comme les maçons ont commencé à disparaître, tout le monde commence à voir la réalité, les vérités devant, et tout en espérant que Ferre également va profiter de cette réalité, de cette vérité qui est déjà à l'œil uni, de percer avec de la rumba pire, Je ne sais pas si je suis capable de faire ça. Ferre déjà la qui c'est que Azana va passer, Azana va œuvre déjà. Ce sont des œuvres. Maintenant, vous les Gauloises et les gladiateurs, au lieu que l'on va faire à l'équipe Batouna, c'est dépassé. On les a Makambo à 540. Mais les loisirs Makambo à streamer, Makambo à Koyoka, on a l'on va quitter. Gilmas Moutoua va vérité. Moutoua Tembe, Moutoua va vérité. Des révélations en gros. Moutoua va révélation en gros. On a l'obacité, on a l'obéamo.